L'autorité palestinienne a choisi de lancer une confrontation avec l'État d'Israël et nous ne restons pas passifs face à cela. Nous ne permettrons pas que les soldats et commandants de Tzal soient traînés devant la Cour pénale internationale de La Haye. Ceux qui doivent faire face à la justice sont les dirigeants de l'autorité palestinienne qui ont conclu une alliance avec des criminels de guerre du Hamas. Les soldats de Tzal continueront à défendre l'État d'Israël avec force et détermination. De la même façon qu'ils nous défendent, nous les défendrons avec la même détermination et la même force.